Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on reprend la dernière fois. Après m'être occupé de tout ce qui est par exemple refaire les lois de succession, tout ça dans tous les pays. Et remis un tout petit peu d'ordre aussi dans mon état, mais bon, ça c'est autre chose, on s'en fiche. Et je suis prêt à déclarer la guerre contre la Norvège. Il va direct. Alors en attendant, on va faire plusieurs guerres. Une guerre contre lui pour ce territoire-là. J'ai recruté plein d'hosts ici parce que j'en avais besoin. J'ai totalement rempli en fait mon endroit d'host. Donc moi je pars sur 20 000 hommes de Jacques en fait. Chaque type d'escorte, donc 20 000 hommes par exemple de piquiers, 20 000 cavaliers, tout ça. Avec la France. Les autres factions qui marchent comme ça, avec les Norvégiens par exemple, les pays scandinaves. Vous avez une escorte spéciale, c'est les Husqvarna. Merde, j'arrive plus à dire le nom. Excusez-moi pour le vocabulaire. C'est, si vous préférez en fait, tous les... C'est un peu les 500 troupes de choc que vous avez dans cette escorte-là. Et cette escorte-là, je dois dire, c'est l'une de mes préférées niveau infanterie, étant donné que c'est une des plus violentes. Comme je l'ai dit, en infanterie. Et c'est pour ça que j'aime bien, vu que c'est la plus violente d'infanterie. Quand j'ai violente, c'est dans le sens qu'en attaque, elle fait des terreurs. C'est une terreur, cette infanterie-là. Ce groupe, cette escorte. Par contre, en défense, les piquiers restent préférables. Et sans revenir à ce point-là, c'est que dans le sang patch que je voulais vous parler, comme je vous ai parlé précédemment, on s'est un peu dit, même un peu beaucoup, les développeurs, ça c'est par contre c'est un très très bon point, après avoir gueulé sur le fait, certains points négatifs, c'est que, enfin, chaque unité d'infanterie a vraiment son rôle. Je m'explique. Je sais pas pourquoi on m'a demandé de faire ça. Je m'explique. Par exemple, les troupes de choc font maintenant sont beaucoup plus efficaces en attaque maintenant. Mais ils sont aussi beaucoup plus nuls en défense. Par contre, les. Pas les troupes de choc, les. Comment ça s'appelle, j'ai oublié leur nom. Les... Ah, c'est quoi leur nom? Bonne idée. Bon, je m'en excuse, j'aurais pas retrouvé le nom. Les piquiers, c'est dit. La cavalerie, je vous ai déjà parlé dans la vidéo d'avant. Bon, ben, tant pis, je m'en excuse, je retrouve pas. Hein. Donc, en gros, rappelez-vous bien que les troupes de choc, maintenant, ont une efficacité accrue contre les ennemis en attaque. Donc les armées équilibrées, on va en parler autrement, sont beaucoup plus efficaces qu'une époque. Donc par exemple, surtout au niveau de l'infanterie, au niveau cavalerie, le but de la cavalerie, ça reste quand même toujours le même objectif, combattre en plaine. C'est... je vais déjà prendre... Personne sera la dernière partie à tomber. Donc on vise maintenant de plus en plus hein, à... privilégier en fait une armée équilibrée, étant donné que maintenant chaque troupe a vraiment son avantage, surtout au niveau de la cavalerie, au niveau de l'infanterie. Ce qui fait que maintenant, il est préférable d'avoir une escorte polyvalente qu'à l'époque où l'escorte unique était... largement il y a dire largement utile, mais largement polyvalente en fait, étant donné qu'à une époque, je vous rappelle, la cavalerie lourde en attaque certes un peu de difficulté, mais avait pas un gros maïus comme maintenant quand j'en attaque pour assiéger des villes.
Et mine de rien, ces changements, moi je le dis toujours, sont toujours très appréciables. Donc voilà. Nous continuons maintenant notre petite campagne. Hein. Je pense déjà avoir dit ce que j'attends dans les pages, ce que j'attends dans un jeu. Donc voilà. Voilà, puis si vous vivez en harmonie, patati, patata. Donc alors, petit changement aussi ce qui s'est passé, hein. C'est que à la mort, j'ai perdu le Saint-Empire malheureusement, mais vu que je suis toujours le, on va dire un peu le grand prétendant au titre, mais que avant il m'appartenait ce titre, je peux faire ça, ça, ça et ça. Ah, oui je sais, je suis direct, je suis rapide et j'y vais honnêtement. Par contre je me trouve pas, voilà. Voilà, voilà, et voilà. Lui il est nul. Lui il est bien. On va. Donc voilà, c'est... Donc moi j'ai envie de dire vivement la suite de ces patchs. Parce que oui, moi j'attends en fait certains patchs en plus, comme je vous ai dit, le multijoueur. Moi j'apporte quand même une importance assez importante au multi. Étant vraiment un gros patch pour le multi, pour que ça soit vraiment très viable. Que ce soit facile à jouer en multi, tout ça. Donc pour ça, j'attends vraiment un gros patch. Qui n'est pas encore là. Bon, on a perdu là-bas. Ok! J'ai pas compris en fait. Mais c'est les Mongols ça! C'est... Oh là 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 là! J'avais pas compris. J'avais pas compris ça. Bon, ben on a un tout petit problème. Ce que vous venez de voir à droite, la tribu des Ilkana, normalement ça s'appelle Ordor, donc c'est ça qui m'a induit en fait en erreur. À moins que ce soit peut-être que les prémices, c'est les Mongols. Et vous savez comme moi les Mongols, le petit problème que ça arrive quand ils vont arriver, c'est que c'est une grosse armée. Et là, j'aurais vraiment besoin de toutes mes troupes. Toutes sans exception. Mais... je sais pas combien d'hommes j'ai là. Mais 100 000 et quelques, quoi. Mais 120 000 hommes pour faire face à ça. J'ai un gros point fort, j'ai beaucoup d'escorte. Donc ça va beaucoup m'aider, mais... Honnêtement, je pense que je vais avoir quand même des difficultés à les vaincre. Hein. Voilà, c'est ce que je craignais. Oula, oula, oula. Il nous faut rapidement des navires de plus. Voilà, bon, on n'a pas que choix, les gars. On est obligé de lever Ghost. Il me demande à 17 000 hommes de se rendre ici, ce qui va être énorme. Et à tous les autres, ben... Excepté toi. Ben, à tous les autres de disparaître, hein. Ben, c'est... Mine de rien, c'est... C'est sympa de pouvoir lever des troupes comme ça quand on veut, mais... Quand on a un peu trop, parfois, c'est gênant. C'est là où avoir des roms m'arrangerait bien. Parce que eux, je vais être honnête avec vous, eux je m'en fiche complètement. Ceux d'Italie... comme ceux là, hein, en Norvège. Alors lui il me déclare une guerre pour la Ruthénie. Je refuserai la paix déjà, je vous dis direct. Ici.
ici, il faut que j'aille. Voilà, ici. Voilà. C'est bon point déjà, c'est que mon escorte. Mon escorte va se rendre ici. Ça va demander beaucoup de choses quand même. Toutes les guerres. Là j'attends mon enfant pour nominer un successeur. Eh ben dis donc, cette guerre là, je m'y attendais pas en fait. Je vais vous mentir, je m'en fichais un peu parce que je m'étais dit, ouais, c'est une petite guerre contre des musulmans. Non, non, c'est l'invasion mongole en fait. Là, ils se débrouillent. Et justement, regardant Ilouane Norvège, Norvège, faut qu'on retourne à son drapeau celui-là. Ici. Je m'en excuse pour vous. J'aurais vite besoin de cette armée là, celle-ci c'est bon. Mine de rien, il y a des guerres. Bon, déjà ce qui me rassure c'est que c'était pas comme une époque. Peut-être parce que c'est pas le même, mais je pense que c'est quand même... Ce que je pensais, c'est que c'est des armées différentes. Avant, c'était une immense armée. Maîtriser les terrains montagneux. Ici, je vais avoir quoi La cavalerie serait plus important. Je sais plus si j'ai déjà envoyé un cadeau. Oui, j'ai déjà envoyé un. Donc, or. Bon, il faut que je ramène... Voilà, vous constatez que le problème avec ma cavalerie, c'est qu'il faut que j'amène partout, en fait. Donc, de toute façon, moi, je refuserai de toute façon à paix, moi. Donc, j'ai bientôt 17 000 hommes ici. Bon. Je me laisserai pas faire contre ce Tamir. Bon, le point positif, c'est que j'ai mes troupes déjà levées là-bas. Sont pas assez compétents, il faut des vrais généraux. Voilà.
Normalement, je devrais gagner. Bon, attendez deux secondes ici. Voilà. Ici, et je ne me pourrais sans personne. Et comme ça, je peux ramener déjà l'armée là-bas. Dans cette armée-là, je vais la garder ici. Elle est assez peu nombreuse donc. Le gros problème que j'ai, c'est que là, ils ont des armées en fait qui marcellent tellement avant que je rentre en contact que je perds trop d'hommes. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo aussi, donc je me pose la question, est-ce que je vous filme ou pas les combats là, en fait. Parce que les Mongols, en fait, ce qu'il faut faire contre les Mongols, je vous donne la technique, c'est d'envoyer une armée de 30 000 hommes, à peu près en moyenne, contre une armée de 10 000 hommes. Et avoir vraiment une immense masse d'unités qui arrivent en même temps. Je faisais ça la technique contre eux. Et une fois que vous avez cette masse d'unités qui arrive contre eux, vous exposez littéralement. Là, c'est comme ça arrive. Hein. Étant donné que vous êtes beaucoup plus puissant qu'eux au corps à corps. Leur armée se compose essentiellement, comme vous voyez, d'archers montés. Ce qui fait qu'à harcèlement, ils vont faire énormément de dommages. Mais une fois que vous êtes en corps à corps, vous gagnez. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir montrer ça dans cette vidéo, donc je vous dis à la prochaine fois. Peut-être que je ferai cette guerre hors antenne, parce que mine de rien, je pense que je vais devoir recharger 2-3 fois. Mais en tout cas, quoi qu'il en coûte, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois, et je vous laisse la vidéo. Yep, 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 vous m'avez cru? Eh ben non, c'était une farce. Non, sans déconner, en fait, je me suis planté dans mon timer. Je croyais qu'il était beaucoup plus tard que ça, donc je m'en excuse. Non, mais on va continuer ensemble. Hein. Ça va être dur, mais on va continuer ensemble. Hein. Ça fait que 17 minutes qu'on filmait, donc oui. J'ai un peu parlé vite. Hein. Bon, là, ça va être vraiment le moment le plus dur du jeu. Je sais pas comment je vais... D'ailleurs, dans le doute, vous avez quoi? J'ai sauvegardé sur... sur la Bourgogne, hein, campagne qu'on se fait. Oui, j'ai commencé une campagne norvégienne, comme vous avez pu voir. J'ai sauvegardé dessus, si jamais je me loupe. Ce qui pourrait arriver. Je rechargerai cette sauvegarde, je recommencerai l'enregistrement, et si au bout de 2-3 reprises, ça marche pas, je ferai tout seul en fait. Je vous abandonnerai devant cette bataille que je vais pas recharger 100 fois pour vous en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là il nous faut défoncez pas, c'est bon. Non, lui, il faut que je garde pour mon armée qui arrive par navire. Il me faut vraiment un très bon commandant central. Voilà, ça sera bien. Lui, il est pas assez bon. Lui, c'est un autre commandant de cavalerie. Il est en plus scellé sur un flanc. Donc, lui, il va bien le faire. Et le dernier... J'ai pas le choix. Peut-être que lui, oui, lui, hop. Voilà, donc... Je vais tenter de gagner cette guerre quand même. Hein. Je vais envoyer Star Mega s'occuper de ça. Hein. Je vais perdre en fait. Là je vais perdre beaucoup. Mais bon, je sens que je vais pouvoir gagner. Grâce à ma cavalerie haute qui vient d'arriver. Voilà, ma gars.
Ma cavalerie lourde tient beaucoup mieux et encaisse beaucoup mieux que mes troupes légères, on va dire. Voilà. C'est bizarre, il flippe d'un coup. Le 28. Il y a une partie de son armée qui part le 20, c'est parfait. Comme ça, je vais pas me taper toute son armée. Vous voyez, j'ai des pertes quand même dans le central. Hein. Mais je tiens. Voilà, ah, lui il va faire... C'est bien, je tiens partout. Là maintenant c'est au centre sa attaque. Et ça a lâché. Ça a lâché un bon coup leur armée là. Ah, ils viennent de perdre 50 000 hommes quasiment. Voilà, c'est... Voilà, j'ai gagné contre Venise. Ici en plus mes troupes... Elles ont mal, je vais pas le nier. Mais je pense qu'elles tiendront. Ouais, elles ont tenu, c'est parfait. Voilà, donc... Faut qu'elles tiennent. Position. Elles vont avoir du mal en fait à tenir. Mais j'ai des piquets, donc c'est vraiment dans la force de mes piquets que j'ai confiance. Et là j'ai déjà commencé l'attaque frontale, donc ils ont perdu totalement leur armée. Et on peut constater que leur armée n'est plus que déjà de 80 000 hommes. Donc là, vous constatez, là j'illustre bien que les escortes, il n'y a rien de mieux. Parce qu'il faut dire ce qui est, le travail est quand même fait grâce à mes escortes. Bon, ça me coûte cher après de les reconstituer, mais ils font le travail pour quoi je les ai payés. On dit ce qui est, je les ai recrutés pour ça, ils font leur boulot. Voilà. Voilà. Ici ils vont attendre. Pourquoi? Parce que comme toujours c'est de l'infanterie. Et au centre je pourrais peut-être mettre quelqu'un qui est bon en infanterie lourde. Ouais voilà, lui. Voilà, j'ai beau subir beaucoup de pertes, mon armée tient. Faut dire ce qui est. Voilà, encore la victoire une nouvelle fois. Faut dire ce qui est. Cette armée-là est morte. L'armée sans l'escorte tiendra, mais pas l'armée standard. Bon, alors le bon point c'est que on pète l'armée ici, donc voilà, 54 000 hommes. C'est vraiment ça qui prend du temps en fait, c'est exploser toutes leurs troupes, mais une fois qu'elles sont toutes mortes, c'est tranquille.
Non. J'ai enlevé mon leader de mon armée là. Et ce qui est bien, c'est que j'ai quelqu'un en fait qui me libère aussi mes territoires derrière moi. On va mettre lui. Ouais, c'est bon, j'arriverai ici, attends. Là, en fait, il faut des généraux qui ont l'idée de charger tout de suite. Quand on a une armée comme la mienne, là, de cavalerie gourde. Parce que dès qu'ils chargent, vous terrassez l'armée ennemie. Bon, ça va prendre du temps de reconstituer ses troupes, faut dire ce qu'il y a. Pendant ce temps, mes vassaux doivent me faire un peu la gueule, ouais, une partie d'entre eux en tout cas. Ça pourrait être pire. Ouais. Bon, le flanc gauche a déjà gagné. Me demandez pas comment ça se fait. Le centre charge, vu que j'ai de la cavalerie lourde, l'autre de la cavalerie légère. Voilà. Quoi, hein. Si je vais Tcherning, voilà. Ma cavalerie gourde, en tout cas, dévaste l'armée. Je suis curieux de savoir, plus que 43 000 hommes. Je vous rappelle qu'on a commencé la guerre, ils avaient 143 000 hommes. Là, c'est peut-être l'attaque de Troie. Non, c'est bon. La charge arrive au pile au bon moment. Donc là, officiellement, on peut dire ce qui est. Nous avons gagné. Voilà, c'est une victoire totale. Ma cavalerie lourde va continuer à être pourchassée, moi je vais continuer à défendre. 1000, 12 000. On va reconstruire un peu d'escorte comme ça. Et là, il y a un truc extrêmement important que je vais faire, c'est que je vais vraiment chercher et terrasser jusqu'au bout cette armée en fait. Voilà, c'est fait. Pour éviter justement qu'elle se reconstitue, étant donné que c'est un ordre. Ça prend un peu de temps, mais elle se reconstitue avec le temps. Alors que là, pour la refaire entièrement, étant donné que c'est un event en quelque sorte, ça m'étonnerait qu'il puisse, parce qu'il devrait alors avoir un nouvel arrivé de Mongol. Or là c'est plus le cas, hein. on a vraiment terrassé ce qu'il fallait terrasser. Hein. Et ça doit pas être. Et je crois que c'est la première des deux invasions. En y repensant. Et
Et quand je dis point RD2, parce que je suis certain qu'il y a la horde d'or qui va arriver plus tard. Et je me rappelle dans la grande campagne, en fait, les Ikakana, en fait, ils sont pas passés ici, ils sont en fait passés au sud. Donc si vous préférez, ils ont complètement détruit en fait les musulmans. Ce qui fait que c'est pour ça en fait j'ai pas tilté au début que c'était des Mongols. Que pour moi voilà c'était l'armée, voilà, c'était une armée musulmane. Hein. Mais bon, on a réussi, on a gagné. La vidéo sera plus longue que prévu je pense par contre là. Mais je vous ai montré comment ils combattent. Pour les battre en fait c'est simple. Beaucoup d'infanterie piquée. Pourquoi des piquets? Parce que les piquets sont, comme vous savez, excellents en défense. Et ce que vous avez besoin, c'est vraiment une bonne défense. Et la deuxième chose aussi qui est importante, c'est de posséder beaucoup de cavalerie lourde. Parce que la cavalerie lourde, là, est nécessaire pour tout ce qui est... détruire et pourchasser les ennemis parce que votre cavalier tient plutôt bien et il choque. Et mine de rien, c'est quand même une chose qui est importante dans une armée de bien tenir. Hein. Hors vidéo, je préviens tout de suite de ce qui va se passer. Hein. Je vais probablement faire une guerre sainte contre eux. Pour récupérer des terres qui nous auraient volées. Hein. Plutôt récupérer des terres qu'on peut revoler parce que maintenant ils sont bien... signé à blanc. Lui on veut vous donner un cadeau. On veut... Non il veut pas. Alors. Voilà c'est... Voilà. Voilà. Je suis devenu roi de Navarre. Voilà. Donc je vais vous laisser là. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Je m'excuse encore de ma petite erreur dans mon timer hein, tout à l'heure. Donc là pour de bon je vous dis merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine fois et vive le jeu vidéo.